S'agissant de la question sur la protection des droits des femmes, défenseurs des droits de l'homme dans la province, bon, généralement au niveau de la province, on n'a pas assez de difficultés quant à ça. Par rapport aux plaintes des femmes, comme aussi des défenseurs des droits de l'homme en général, la situation est bien, mais il existe des fois quelques cas isolés où certains défenseurs des droits de l'homme, certaines femmes, il n'y a pas plus longtemps, on a été saisi par une dame journaliste qui, dans l'exercice de son métier, quelqu'un lui aurait dit des choses qui n'allaient pas, qu'elle a pris ça sous forme d'une menace. Mais parfois, quand nous vérifions, bon, c'est parfois des questions de malentendus. Mais généralement, par rapport aux femmes qui sont des défenseurs des droits de l'homme, au niveau de la province, nous n'avons pas assez de problèmes, mais moins encore assez de plaintes quant à ça. Je voulais profiter peut-être de vous parler en cette occasion sur les droits des femmes. Bon, la question des droits des femmes, nous pensons que, nous sommes au ministère, pour une réussite totale, il faut encore quatre choses. Institutionnaliser ça, c'est qu'il y ait des lois, que les organisations qui œuvrent dans les domaines de la défense des droits des femmes en général puissent proposer davantage des lois qui seront votées, institutionnalisées. Là, ça permet à ce que les femmes revendiquent quant à ça et ça va aider à l'avancement. Bien que la loi sur la parité n'est pas totalement appliquée, mais la loi sur la parité, étant donné que c'est déjà constitutionnel, il faut aussi que les femmes fournissent ces efforts, accompagnées bien évidemment des hommes, pour qu'on puisse arriver à institutionnaliser cette lutte-là, comme l'ont fait certains pays, parce que le plus souvent, pas des pays de l'Amérique latine, avec quelques pays voisins où on a institutionnalisé, on a mis ça dans les textes du pays, ce qui permet à ce que cette question évolue. C'est que si cette lutte n'est pas soutenue par des lois, ça pose des problèmes. Dans chaque milieu, constitue à un certain moment et actuellement un frein à ces combats-là par rapport aux femmes. Vous êtes sans ignorer tous ces pesanteurs sociaux culturels qui pèsent sur les femmes, qui s'engagent, non, que vous connaissez bien. Alors, on croit que les femmes qui s'adonnent à des comportements, là, ces coutumes locales-là, constituent actuellement des freins. Quand un enfant garçon tombe, on lui dit « Réveille-toi, mon homme est aliaque. » Mais quand c'est une fille qui tombe, qui pleure, on s'éteint, on la cajole seulement autrement. Quand on part à la commune, on voit les chansons qu'on chante pour les femmes, on a un d'appelé qui t'en a qu'on vous dit, quand vous minez tout ça. Ce sont des coutumes et des comportements qui sont en train encore de constituer un recul par rapport à ces droits-là. De l'autre côté, sur nos habitudes quotidiennes, et ces habitudes sont ancrées dans nos coutumes et aussi dans nos comportements quotidiens. Voilà comment on peut dénoncer que nous tenons à vous dire par rapport à la question. Merci. Merci beaucoup. Et dans l'exposé, nous avons retenu que les femmes aussi perdent. Et les femmes aussi doivent. En outre, le ministère nous recommande qu'il faut que les femmes luttent pour qu'il y ait des lois. En dehors des lois qui existent, comme la loi sur la parité, il faudrait qu'il y ait d'autres des édits en rapport avec les droits de la femme. Il fustige aussi les coutumes rétrogrades, qui sont toujours des pesanteurs, surtout sociaux, culturels, qui font à ce que la femme ne s'épanouit pas. Nous appelons le deuxième ou la deuxième intervenante, pardon, si le bureau Conseil des Nations Unies aux droits des femmes
et de femmes défenseurs des droits de l'homme. C'est Madame Mathilde Migo, au nom de Madame la coordinatrice du BCNUDH qui est empêchée. Nous nous permettons de placer un mot sur le défenseur des droits de l'homme et surtout les femmes défenseurs des droits de l'homme. Comme vous le savez bien, nous tous ici, individuellement, collectivement, qui œuvrons pour la protection et la promotion des droits de l'homme. La sensibilisation aux droits de l'homme, c'est notre lutte de toujours. Le respect des droits de l'homme, le plaidoyer pour le respect des droits de l'homme, c'est notre lutte de chaque jour. Ce qui fait que ils peuvent être des cibles de menaces, leurs droits aussi peuvent être menacés et ils requièrent une protection spécifique pour les défenseurs des droits de l'homme et surtout les femmes défenseurs des droits de l'homme qui souvent peuvent être objet de violences, peuvent être objet de menaces et surtout perdre même la vie dans leur lutte de chaque jour. La Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme réaffirme les droits qui sont essentiels pour les femmes défenseurs de droits. Nous pouvons citer la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de rassemblement, le droit d'accéder à des sources. Les défenseurs ont aussi le droit de se plaindre des politiques relatives aux droits de l'homme lorsque ces politiques n'œuvrent pas pour la protection et le respect des droits de l'homme. Comme tous les défenseurs de droits de l'homme, les femmes défenseurs de droits de l'homme peuvent devenir la cible avec le partenaire étatique, le ministère de la Justice, ministère des droits de l'homme, ministère de genre, division de genre, division de la justice. Nous devons œuvrer pour relever les défis, différents défis que nous rencontrons encore aujourd'hui. L'intervenante du 4e exposé, il s'agit de la CEDH qui va nous parler de la promotion des femmes défenseurs des droits de l'homme. Cet exposé sera fait par une femme avocate qui est dans la thématique lutte contre les violences sexuelles. SODH et la promotion des femmes défenseuses des droits de l'homme. Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, droits humains, Madame le procureur général, Madame la coordinatrice du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, Madame la représentante du section genre de la MONUSCO, Mesdames, chefs de division de la justice, des droits humains et du genre. Distingués invités, chers collègues, dans le cadre de sa campagne du mois des femmes, organise une matinée de communication et d'échange à l'occasion de la journée de clôture de cette campagne. À cette occasion, il m'a été demandé d'exposer à propos de la promotion de la femme défenseur des droits de l'homme, en sigle F22H, par la CEDH. La synergie des organisations des droits de l'homme s'emploie à regrouper autour d'une même table les femmes activistes qui se consacrent à défendre les droits des femmes contre les violences sexuelles, formes de discrimination. Ces femmes défenseuses de droits des femmes sont également défenseurs des droits de l'homme. Cela étant, notre exposé va s'articuler sur 4 points importants à savoir. Une brève présentation de la synergie de nos organisations des droits de l'homme.
du fait que vous avez un dépliant devant vous. Alors prenez soin de consulter le dépliant. Alors, sans tarder, je passe au deuxième point. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux jeunes et dans les provinces de l'Est en particulier, aussi bien pour les victimes que pour les communautés. Malgré leur importance contre les droits humains, les violences sexuelles et des instances judiciaires est donc vraiment prise en compte. Alors, quels sont nos objectifs? Les groupes thématiques de lutte contre les violences sexuelles regroupent les organisations membres de la SODH spécialisées dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Spécifiquement, les groupes thématiques lutte contre les violences sexuelles, la surveillance de la situation des violences sexuelles à l'égard des femmes et des filles. Troisièmement, mener un plaidoyer auprès des autorités de sécurité et de justice contre l'impunité de ces violences et contribuer à leur prévention. En première ligne de lutte contre les violences sexuelles, 1. Organisation des enquêtes sur la situation des droits des femmes et des jeunes filles. 2. Organisation des réunions d'évaluation contextuelle à propos des violences faites aux femmes et aux filles. 3. Élaboration des rapports des groupes thématiques violences sexuelles. 4. Organisation des contacts de plaidoyer avec les autorités et principaux partenaires. 5. Organisation de matinées de communication et d'échange sur les thèmes portant sur l'activisme des femmes défenseurs des droits de l'homme et à propos les droits des femmes et des jeunes filles. 7. Lancement de réflexions et de sensibilisations portant sur les questions liées à la pandémie du COVID-19. Formes de violence faites aux femmes et aux jeunes filles. Telles que les violences psychologiques, l'esclavage domestique, pour ne citer que cela. Le troisième point de notre exposé de ce jour est la présentation de l'innovation d'approche femmes défenseurs des droits de l'homme et la commission des femmes défenseurs des droits de l'homme composée des femmes juristes et avocats membres de la SODH. Mais la violence à notre égard, c'est grâce à l'action sur le terrain de nos organisations et mouvements comme la synergie des organisations des défenseurs des droits de l'homme que la question de la violence à l'égard des femmes et de jeunes filles est portée sur le devant de la scène. Pour accroître la mobilisation contre la violence à l'égard des femmes, la synergie des organisations des droits de l'homme, SODH en sigle, à travers son groupe thématique de lutte contre les violences sexuelles, a lancé ce mois de mars 2020 l'approche constituante et à soutenir ces femmes qui agissent pour promouvoir ou protéger les droits de l'homme, collectivement connus sous le nom de femmes défenseurs des droits de l'homme. Les droits de développer et de discuter de nouvelles idées dans les domaines des droits de l'homme. Pour mieux faire leur travail, ces femmes doivent être protégées par les autorités nationales contre le risque d'harcèlement sexuel, la discrimination, la stigmatisation, la criminalisation, la violence physique et l'intimidation. Et au devant de cette innovation, l'activisme des femmes juristes et des femmes avocates ou judiciaires, afin d'aider les femmes à exercer leurs droits. Nous vous invitons à l'issue de notre campagne consacrée au mois de la femme. Les violences sexuelles
des femmes constituent une atteinte à leurs droits fondamentaux, comme le droit à la vie et à la sécurité de la personne, les droits à l'éducation, au travail et au logement, ainsi que le droit de participer à la vie publique. Cette violence perpétue la subordination des femmes, ainsi que la répartition inégale des pouvoirs entre les sexes. Au cours de l'année 2021, le groupe thématique de lutte contre les formes et les manifestations de la violence à l'égard des femmes dans différents contextes, particulièrement tels que... Oui, les femmes, nous pouvons. Oui, les femmes, nous pouvons. Je vous remercie. En quoi le coronavirus a accentué, je ne sais pas, la lutte pour la suspension des droits et la violation des droits de la femme. Quel est le rapport que la vie placée entre le Covid, donc le coronavirus, et la lutte contre la violence sexuelle? Je n'ai pas bien perçu. Je suis le conseiller au secrétariat permanent de la SODH et coordonnateur de l'organisation AEPAD. Oui, je voulais poser la question à la commission des femmes et défenseurs des droits de l'homme de la SODH. Quelles sont les stratégies qu'elles vont mettre en place pour accompagner ou pour découvrir les différentes violations faites aux différentes filles dans les établissements scolaires suite au point transmissible, donc dans les écoles. Ça, c'est ma première préoccupation. Et aussi, nous avons constaté que au village, lorsque l'homme meurt, la veuve, elle est poursuivie par les beaux-frères ou les petits frères ou les grands frères de son mari. Et il arrive des fois, on les ravit les enfants, on les ravit les biens, les meubles, les immeubles, tout ça. Un bon nombre de biens. Alors, que pensez-vous? Merci beaucoup. Je vais répondre d'abord à cette question. Parce que je suis membre du groupe thématique de violence sexuelle. Pour plus de précision, c'est un groupe thématique qui réunit en son sein plusieurs ONG de droits de l'homme qui œuvrent dans cette thématique. Et pour répondre à la première question, s'agissant de l'assistance juridique ou judiciaire, ou de quelle assistance le groupe thématique violence sexuelle fait bénéficier aux survivants des violences sexuelles et aux victimes des violences basées sur le genre. Le groupe thématique constitué des différentes ONG faisant une prise en charge holistique. Par la prise en charge holistique, nous pouvons sous-entendre
une prise en charge médicale, une prise en charge judiciaire, juridique judiciaire, une prise en charge économique et psychosociale. Tout part, dans la plupart des cas, tout part d'une plainte à la police, et la police qui réfère à une structure médicale avec une réquisition à médecin pour que la survivante soit prise en charge. Pour plus diverses raisons, entre autres pour prévenir certaines maladies. Et pour un dossier judiciaire, c'est aussi obtenir des preuves probantes qu'on devra rendir au cours d'une procédure judiciaire. Au-delà de cette prise en charge médicale, on réfère à une clinique juridique. Là, nous avons des avocats, des défenseurs judiciaires qui donnent des conseils de droit. C'est ce qu'on appelle une assistance juridique. Et une assistance judiciaire, c'est l'accompagnement tout autour de la procédure, l'assistance à la police, au parquet et devant les cours et tribunaux. Et nous référons aussi à des ONG qui ont une prise en charge économique pour une réinsertion pour les femmes. On les apprend des activités génératrices de recettes. Et pour les filles, la plupart des cas, c'est la scolarisation des jeunes filles. Et la dernière des prises en charge, c'est la prise en charge psychosociale, afin de permettre aux victimes d'être traumatisées de tout ce qu'ils ont subi comme atrocité. Pour ce qui est de l'assistance judiciaire régie, à laquelle nous recourons, pour assurer sa propre sécurité, parce qu'ils sont les seuls, d'abord, en premier lieu, qui devra se sécuriser. Donc, éviter des endroits trop fréquentés, éviter de se promener à des heures tardives, pour éviter des représailles. Mais si menace venait à persister, c'est la délocalisation qu'on suggère dans la plupart des fois. S'il y a un parent qui habite dans un autre lieu, c'est de remettre la survivante à un autre endroit où elle serait sécurisée, où ce qui la permettrait de refaire la vie, où elle n'est pas connue, elle ne serait pas à la merci de la justice. Nous avons notre bureau pour Tamou. Donc la synergie des défenseurs des droits humains, des droits de l'homme, elle est vaste. Elle est composée de différentes organisations et elle est bien structurée. À son sein, il y a le secrétariat permanent. Les réunions d'habitude, nous les faisons à la MONUSCO. Et ça n'empêche pas, si parmi les organisations membres de la synergie, il y a une organisation qui a de l'espace et qui pourrait nous accueillir, nous les faisons aussi chez nous. Dans le quartier, dans la communauté. Notre travail, c'est le travail de défense. On nous a tous surpris et il y avait déjà des violations de droits de l'homme en général, des violations de droits de femmes en particulier. Mais ce contexte spécifique de COVID-19, tel que je l'ai mentionné, a accentué les violations de droits de femmes de manière spécifique, mais de manière générale aussi les violations de droits de l'homme. Il y a des mesures de restriction qui avaient été prises par des autorités, notamment parfois la fermeture des écoles, effectivement pour réduire la propagation du virus. Et cela était parmi les mesures de prévention. On ne pouvait pas s'opposer, parce que c'est des experts c'est à travers des études, des experts qui ont accompagné à prendre des mesures de prévention contre le COVID. Et pendant ce moment-là où les écoles étaient fermées, les enfants à la maison, les jeunes filles à la maison, cela a beaucoup exposé les jeunes filles, les enfants, aux exploitations sexuelles et aux viols.
Il y a même des rapports de UNFPA que vous pouvez lire sur ça. Pour soigner les malades de COVID-19, mais qui ont vu leur droit à la santé, à elles-mêmes aussi, être exposés pendant le premier moment là où les mesures de protection n'étaient pas encore renforcées. Donc ces femmes qui étaient au premier front dans la lutte contre le COVID, qui ont accueilli les premières victimes, les premiers malades de COVID-19, se sont vues aussi contaminées en masse et ont perdu la vie. Donc leur droit à la santé déjà a été mis en danger. Là où les femmes allaient s'approvisionner en biens, en denrées alimentaires de première nécessité, on a remarqué que l'accès à ces biens de première nécessité a été limité. Les femmes qui travaillent dans le petit commerce, les femmes commerçantes, les businesswomen qui venaient, avec la fermeture des frontières, ils ne pouvaient plus s'approvisionner et du coup, leur apport dans l'économie nationale, dans l'économie rurale, a diminué. Et cela a augmenté la violation de droits économiques, notamment le droit à l'alimentation. Aujourd'hui, je pense que dans les villages, toutes ces femmes qui allaient acheter la farine et qui n'en achètent plus, je pense que s'il y a une étude sur l'augmentation du taux de malnutrition pendant cette période, à partir du moment où la pandémie s'est déclarée jusqu'à maintenant, seulement qu'il y a une augmentation de cas de malnutrition à cause de cette restriction de mouvement, fermeture de frontières, là où on pouvait s'approvisionner. Je m'appelle Madame Annie Mujinga. Je suis coordinatrice de l'organisation nommée VAS, volontaire d'autopromotion solitaire. L'organisation est membre de la synergie des organisations des défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes dans la thématique lutte contre les conflits aussi. Oui, nous intervenons aussi dans les violences sexuelles. Nous avons tenu cette activité. Nous avons commencé depuis le 8. Nous avons eu notre première matinée sur laquelle nous avons organisé une matinée de communication, d'échange sur le leadership féminin pour la défense des droits de la femme et de la jeune fille. Aujourd'hui, il s'agit d'une matinée de clôture des activités que nous avons réalisées au mois de la femme. La situation est préoccupante parce que les violations, il y en a toujours dans le milieu. Les femmes et les hommes et les enfants subissent du jour au lendemain des violences. Donc on ne peut pas dire qu'on a atteint le maximum. La lutte continue, les violences sont là, de différentes formes. Nous nous sommes recommandés que nous allons intensifier au cours de l'année 2021. Le groupe thématique de lutte contre les violences sexuelles va intensifier son activisme contre les formes et les manifestations de la violence à l'égard des femmes dans différents contextes particuliers. Par exemple, sur les violences familiales à l'égard des femmes, que nous appelons communément les violences conjugales, parce que ça existe. Les pratiques traditionnelles nuisibles, nous allons nous attaquer à tout cela. Les violences à l'égard des femmes dans la communauté, à savoir le meurtre, le harcèlement sexuel, les violences sur les lieux de travail, dans les établissements éducatifs et de sport, la traite de femmes, les violences à l'égard des femmes perpétrées ou tolérées par l'État, notamment les violences à l'égard des femmes détenues et les violences à l'égard des femmes en situation de conflit armé. Et enfin, les violences à l'égard des femmes et des discriminations multiples. Le groupe thématique va encore porter son attention sur les mauvais traitements et les violences psychologiques et émotionnelles à l'égard des femmes.
Mimi jina langu ni Mama ni Mujinga. Mimi ni mteteaji wa haki ya binadamu. Niko mmoja wa la shirika langu ni mmoja wa Synergie ya Organisation des Défenseurs des Droits de l'Homme. Tunapiganisha ujeuri kwa wakina mama na ubakaji na kadhalika, lutte contre les violences sexuelles. Kwa hii mwezi wa tatu leo, hii kazi ya aktivite tunafanya leo ni aktivite ya kufunga kazi mbalimbali tulifanya kwa kupiganisha ujeuri na ubakaji kwa wakina mama, kwa kupiganisha haki ya binadamu. Tulianza tangia le 8 mars, ile siku kuu ya mwanamke ulimwenguni. Tulifungua hiki kikao, tulifanya matine ya communication et échange sur le leadership féminin pour la défense des droits de la femme et de la jeune fille. Nyuma ya pale tulifanya maaktivite ya kutosha, tulifanya makontakti na wakina mama ambao nao wanapiganisha haki ya wa binadamu mu mashirika mbalimbali, sawa vile wa mama en uniforme kupense ku FARDC. Tuliingia kuma ONG, tuliingia kuma biro ya Nations Unies sawa vile BCNIBH, tulijiunga nabo, tulifanya makontakte na wamama journaliste, tulifanya kontakte na wamama wachuuzi na mema kana wamama wa entrepreneurs. Tulifanya hiyo makontakte juu ya kujiunga pamoja, inabidi tupiganishe hii hali ya haki ya wanadamu ya binadamu. Kuna ma situation ndani ya masomo, ndani ya ma ekoli, ndani ya masomo mbalimbali inaonesha kama haki za wakina dada haiheshimike. Sawa, kunakuwa fenomene wanaita moins sexuellement transmissible, manake alama zinauzishiwa kufatana na kitendo ya ngono. Tutatia tena mkazo kwa kufuatilia Shabunda, Misisi. Tutafuatilia pia na haki ya wamama wenye ndani ya wako ndani ya mamitia, nao wako victime ya hiyo kutokuheshimia haki ya binadamu. Le rapport de cas, comment ça se passe et comment on pourra le faire dans le futur, parce que c'est parmi les objectifs du groupe thématique de lutte contre les violences sexuelles. Comment ça se fait? On vous amène des rapports ou bien vous-même descendez sur le terrain et vous trouvez des cas flagrants comme ça? Un moment trimestriellement ou soit semestriellement que la c'est même averti et signé par le procureur général et un ordre de mission signé que nous allons dans des maisons de tolérance rechercher ces maisons où on utilise où on abuse sexuellement des jeunes enfants. Ce qui est différent du temps de COVID-19 où nous parlons à présent, présentement, ce que je voudrais rappeler ici, que c'est quelque chose qui a échappé, je dirais, aux parents, parce que ce n'était pas au niveau des maisons où ces jeunes filles, on a dénoncé qu'elle a été trouvée dans un tel hôtel ou dans un tel ganda. Qui a échappé la mission ordinaire que nous faisons de prévention et que nous faisons, nous trouvons au cours des patrouilles. Tous les policiers sont censés rechercher l'infraction où elle est en train de se commettre, soit par flagrance, soit ordinaire. Et maintenant, précisément, lors de COVID-19, c'était échappé parce que tout le monde, il y avait la restriction de sortir. Les officiers militaires femmes, pendant par exemple les opérations militaires, est-ce que en quoi vous pouvez nous être utile auprès de vos collègues hommes qui font des opérations militaires pour s'assurer qu'il y a des consignes claires
pendant les opérations comme dans les Fizi, les Mwenga, les Vira, réellement, la protection des femmes et des jeunes filles en situation d'opération militaire, du côté des FRDC comme du côté de l'ennemi qui est le groupe armé, c'est vraiment quelque chose à l'agenda militaire. Et donc pour nous, moi, je réponds à je vais prendre place Sakina Kambina, Christa. Pendant les opérations de guerre, si vous trouvez des cas pareils, de la violence, passez sur le terrain. On dénonce d'abord, et puis on protège la victime. Et puis nous donnons les dossiers à qui des droits. Parce que nous sommes là pour défendre seulement. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous arrêtons les victimes et nous orientons les dossiers à qui des droits. Après, on met la victime à la disposition des infirmiers pour vérifier. Et on donne les dossiers à la police. Nous sommes là pour défendre parmi les femmes dans l'armée, pour dénoncer. C'est-à-dire, il faut protéger toutes les filles et toutes les femmes pendant les opérations ou pendant l'armée. Qui a été consacré à cette matinée de clôture et pour un portail.